Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter 7 meilleurs sites pour te lancer dans le freelancing. Mais avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu souhaites te lancer dans le marketing d'affiliation gratuitement, alors je t'ai préparé une petite formation pour te donner les bases du marketing d'affiliation. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Ou tout simplement en allant sur ma chaîne au niveau du profil, tu verras le lien govbusiness.com/débuter ici, débuter-ici. Alors clique simplement et inscris-toi à cette mini formation pour apprendre tout sur le marketing d'affiliation, commencer à gagner de l'argent en ligne avec l'affiliation. Ok, aujourd'hui je vais te présenter 7 meilleurs sites pour te lancer dans le freelancing. Mais avant de te présenter ces sites-là, il est important de prendre certains critères en compte que moi j'estime être vraiment crucial pour pouvoir déterminer quelle plateforme se lancer, sur quelle plateforme commencer à proposer ses services. Parce que à noter, il en existe tant de plateformes en ligne, je ne pourrais tous les lister. Donc je compte également sur votre coopération ou votre collaboration pour me faire part dans les descriptions de cette vidéo, soit des nouvelles plateformes ou de toute autre plateforme que vous trouvez estimerez être meilleure et qui n'a pas été mentionnée dans cette vidéo. Alors je me ferai le plaisir d'aller jeter un coup d'œil par moi-même. Cela également ferait le plaisir à la communauté de découvrir de nouvelles choses comme cela. Donc étant dit, le premier critère que j'estime être vraiment crucial pour choisir une plateforme pour se lancer en tant que freelancing, c'est le type de service qu'est proposé cette plateforme. À noter, certaines plateformes ne vont pas permettre toutes forme de service. Vous trouverez par exemple des plateformes en ligne qui proposent uniquement des services en programmation, développement de sites web. Vous trouverez d'autres plateformes qui proposeront la création de contenu, donc à savoir tout ce qui est marketing sur les réseaux sociaux ou rédaction d'articles de blog, création de vidéos. Vous trouverez d'autres plateformes qui sont uniquement dans le design et tant d'autres. Donc, il est important avant de vous lancer, savoir premièrement ce que vous voulez proposer comme service pour pouvoir mieux vous orienter sur quelle plateforme. Et également, bon, vous pouvez proposer vos services sur plusieurs plateformes. C'est ce que je recommande selon le dicton divisé pour mieux régner. Donc, rassure-toi toujours de présenter tes services un peu de partout sur plusieurs plateformes. Cela pourrait accorder à tes services plus de probabilité de faire des ventes ou d'avoir des clients comme cela. Donc ne te fie pas simplement à une seule plateforme de dire je me suis listé ici, ok, j'attends que le trafic soit redirigé sur la plateforme et que je puisse avoir des clients comme cela. Donc va un peu de partout, inscris-toi et tester un peu tout ce qui pourrait être fonctionnalité de la plateforme et tout ce qui pourrait t'apporter des clients. Le deuxième critère que j'estime être également crucial, c'est l'expérience utilisateur. Parce que sur d'autres plateformes, il est vraiment très compliqué de pouvoir proposer ces services en tant que freelance et également compliqué pour d'autres personnes, dont ceux qui aimeraient par exemple vous contacter pour que vous puissiez leur faire X ou Y. Donc j'en parlerai de cela plus en détail dans cette vidéo. L'autre critère, le troisième critère que j'estime être crucial aussi, c'est le moyen de paiement du vendeur. Donc à noter, pour certains, je dirais par exemple pour ceux qui sont en Afrique, ils n'ont pas suffisamment toute forme de moyens pour pouvoir recevoir leur paiement. Dans certains pays en Afrique par exemple, PayPal n'est pas autorisé et certains autres processeurs de paiement. Donc d'où le fait où il est important de savoir comment est-ce que vous allez récupérer votre argent une fois que vous avez commencé à gagner. Et l'autre critère que j'estime également être vraiment crucial, donc en quatrième, c'est le temps de paiement du vendeur. Pour certaines plateformes, une fois que la commande est faite et validée et que le client est satisfait du travail que vous lui avez fait, alors vous pouvez par exemple récupérer votre argent dans les 3, 4 à 5 jours, donc selon la modération du site. Pour certains autres sites, cela pourrait aller jusqu'à un mois juste pour la vérification, ce qui n'est pas du tout vraiment évident. Lorsque vous lancez en tant que freelance, vous êtes à votre propre compte et tant qu'il n'y a pas d'entrée, cela peut apporter souvent le découragement et aussi de la paresse. Mais plus il y a de l'argent, vous pouvez également mieux vous épanouir, avoir des idées claires, avoir de l'énergie
l'énergie pour pouvoir taffer dur. Ok, le cinquième point que j'estime également être crucial pour choisir une plateforme de freelance pour se lancer, c'est la possibilité de création de services. J'en parlerai plus en détail dans cette vidéo. Dans la possibilité de création de services, vous allez noter que sur certaines plateformes de freelancing, vous avez la possibilité, par exemple, de donner juste un titre à votre service et ensuite customiser les moyens de paiement. Donc, vous pouvez créer des liens de paiement, envoyer au client, le client paye et vous faites le travail. Tout se passe sur la plateforme. Sur d'autres plateformes, vous devrez au préalable définir déjà les prix. Ce qui n'est pas du tout évident souvent quand vous voulez, par exemple, lorsque le client veut faire soit des retouches ou certaines améliorations ou avoir encore par exemple plus de fonctionnalités et que vous devez le facturer. Donc si ce n'est pas hormis la plateforme et que vous devez le faire sur la plateforme, cela n'est pas évident. Donc je vais vous montrer des plateformes qui autorisent cela et certains qui ne l'autorisent pas. Donc nous allons entrer maintenant, je vais vous présenter les 7 sites. Je pense que sur ces 7 sites regroupe la plupart de tout ce qui vient d'être dit. Donc que ça soit les types de services, vous trouverez votre compte, les moyens de paiement, les types de paiement, le temps de paiement et donc l'expérience utilisateur. Donc entrons dans le vif du sujet. Vu que nous sommes sur le marché français francophone, dans la francophonie, je ne pourrais parler de sites de freelance sans toutefois parler de comment renseignement appelé 5€. Donc c'est un site, bon, présentement ils sont lancés un peu sur le marché américain. Donc à présent vous pouvez également créer des microservices en anglais et en français. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, ils ne sont pas encore trop répandus sur le marché américain, mais plus sur la zone francophone. Donc c'est comment vous pouvez proposer un peu de tout, mais simplement que au niveau de la customisation des liens de paiement, vous n'avez pas cette possibilité. Vous êtes obligé au préalable, par exemple, de prédéfinir directement tous les prix à l'avance. Sinon, vous ne pourriez pas, par exemple, charger encore plus vos clients. Par exemple, vous pouvez voir, là, au préalable, vous avez une offre de base. Dans l'offre de base ici pour ce service, commence à 35€ et vous avez là des options. Donc, le client sera obligé de venir cocher telle option s'il veut par exemple plus de fonctionnalités. Ça peut être dans la création d'un site web où le client aimerait avoir plus de fonctionnalités. Donc vous serez obligé de prédéfinir tout cela à l'avance, ce qui n'est pas du tout évident. Donc un peu cela. Au niveau des moyens de paiement, présentement, bon, la plateforme accepte uniquement les virements par PayPal. Donc, si vous êtes en Afrique, rassurez-vous de trouver un autre moyen pour pouvoir encaisser vos paiements. Donc, je dirais une autre façon d'avoir PayPal pour pouvoir encaisser vos paiements depuis l'Afrique. Et au niveau des temps de paiement, ça varie entre 3 à 5 jours maximum. Une fois que vous avez de l'argent sur votre compte, vous pouvez encaisser que vous avez demandé le paiement, vous pouvez les encaisser. Bon, le leader sur le marché américain en deuxième, c'est de cette vidéo, site de freelance, c'est Fiverr. Bon, je pense tous les autres ont eu à copier de lui. C'était lui le premier sur le marché de site de freelancing, comme Up et tout. Donc tout ceci et les autres que je vous en parlerai dans cette vidéo ont eu juste à copier l'idée de Fiverr. Donc Fiverr, c'est le leader depuis des années. Donc l'avantage sur Fiverr, ce que je trouve vraiment être trop top, c'est au niveau des liens de paiement. Donc vous pouvez par exemple créer votre service comme ceci, donc prédéfinir par exemple le prix de base, le prix standard, le prix premium. Une fois que le client a passé la commande, que ça soit en prix standard ou de base, après, en tant que vendeur, vous avez la possibilité de créer des liens de paiement. Donc, si le client, par exemple, veut, ici, nous avons 90$ en termes de prix standard. Si le client veut une autre fonctionnalité, par exemple, qui va lui coûter soit 50$, vous pouvez vous rendre compte que cela n'est pas mentionné ici. En tant que vendeur, vous avez la possibilité de créer un lien de paiement de 50$. Envoyez directement au client, il paye et vous faites son taf. Dans les paiements, bon, l'inconvénient ici pour le vendeur, c'est que il y a un temps de paiement donc qui est un peu très
Donc ça peut aller jusqu'à un peu long, ça peut aller jusqu'à 2-3 semaines, donc ce qui n'est pas aussi vraiment évident, mais simplement que vous êtes vraiment free, les commandes se passent aisément. Donc l'expérience utilisateur vraiment ici a été mieux pensé en termes de vendeur comme en termes d'acheteur. Le troisième c'est de cette vidéo, c'est Upwork. Donc Upwork c'est un site de freelancing, vous pouvez commander de tout ici. Donc vous pouvez commander par exemple des services pour un programmeur, des services de design, des services de création des tunnels de vente et tout. Mais l'inconvénient de Upwork c'est au niveau de l'expérience utilisateur. Donc à la page d'accueil tout allait un peu simple, mais lorsque vous voulez créer un compte c'est extrêmement compliqué, plus pour le vendeur, et les temps de vérification des comptes sont vraiment très longs, donc ce qui fait que cela peut apporter également le découragement. Et au niveau également de customisation des services, bon, l'avantage là c'est vous payez en termes de budget, donc vous n'avez pas à dire vous payez tel service à 100 €. Sur votre budget, vous contactez un freelance et il fait votre taf. Donc en quatrième, je vais parler de FlexJob. FlexJob est spécialisé uniquement dans tout ce qui est rédaction, donc que ça soit des lettres de motivation, que ça soit création d'articles de blog, création de des scripts de vente, donc tout ce qui est dans la rédaction, vous pouvez donc proposer vos services ici. Donc notez sur ce site, la plupart des temps sont en anglais, donc c'est uniquement 5 € de tout cela. Vous pouvez proposer des services en français, je pense également sur Fiverr. Donc si vous voulez vous lancer dans le freelancing et au moins quelques notions en anglais, cela vous serait vraiment très utile. Donc ici sur FlexJob, si vous êtes créateur de contenu, vous connaissez en termes de rédaction, articles de blog et tout, vous pouvez proposer vos services ici et commencer comme cela à générer des revenus. Donc en cinquième, je vais parler de Expert Freelance, donc Guru. C'est un site qui a été développé du côté de l'Inde. Donc, et ici, vous pouvez par exemple prendre des services de transcription, de design, de tout ce qui est marketing, administration sécuritaire. Vous pouvez prendre des services de support client sur ce site comme cela, très facile. Développement de sites web, création des formations et plein d'autres. Donc voilà un peu ça. Et en sixième, je vais vous parler de freelance. Donc freelance c'est également leader sur le marché français, mais simplement qu'il est plus niché, donc dans le thème de tout ce qui est programmation, donc programmation design. Donc vous ne trouverez pas trop de services à la volée ici. Vous pouvez voir sur la page d'accueil, vous trouverez plus toujours tout ce qui est en termes de programmation et design. Donc développement d'applications, développement de sites web, création de je ne sais pas quoi. Donc vous pouvez contacter quelqu'un ici pour créer votre site WordPress, ou vous faire des scripts en Python, vous écrivez par exemple des scripts de vente et donc vous allez un peu en parcourant le site, vous allez mieux en savoir plus. Donc freelance est également leader après Comop sur le marché français. Et en dernier où je vais parler, c'est 99design.com. donc c'est un site qui est spécialisé uniquement dans tout ce qui est design. Donc si vous êtes designer, vous vous connaissez en Illustrator ou Photoshop ou Adobe XD, de tout autre. Donc vous pouvez venir ici proposer vos services. Vous pouvez voir par exemple des aperçus, création de mock-up, création par exemple des... Bon bref, que puis-je dire encore, et tant d'autres. Donc si vous êtes designer, ce site vraiment est fait pour vous, pour vous lancer dans le freelance comme cela. Merci de m'avoir suivi, c'était Michael Mika. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi sur la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je te donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Ok, c'est parti.